Cette recette sent bon le terroir et la cuisine des anciens. Cela aurait pu être le titre d'une fable de La Fontaine, mais c'est juste le nom de la recette que nous allons faire ensemble, la fricassée de lapin aux carottes. Guillaume Gomez n'a pas son pareil pour revisiter notre patrimoine culinaire, mais toujours dans le respect du goût, des saveurs et de la méthode. Suivez bien les conseils du chef, il vous guide pas à pas dans la réalisation de cette fricassée de lapin aux carottes.